Bonjour, bonjour, bonjour. Désolée, excusez-moi. Bonjour, partagez le direct, s'il vous plaît. Je ne vois pas les commentaires. Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bonjour Lydie. Bonjour Véronique. Bonjour Major. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Je fais ce direct ce matin. Je devais faire un direct à 20h. Mais je vais laisser ce direct là pour 20h. Ce direct de cet après-midi, on va dire pour ce midi. Voilà, pour ce midi. C'est un direct parce que Love Gugu a fait un direct hier où elle a mentionné mon nom dans une histoire dont j'ai décidé de ne plus parler. Je sais pas pourquoi elle a mentionné mon nom dans ce direct là, mais j'avais décidé de ne plus en parler de cette histoire là parce que l'opinion publique avait déjà sa position et je voulais pas, voilà, créer de polémique, parler, parce que les gens pensent que je fais une fixation sur cette histoire de Kanté et tout. Mais c'est bizarre quand même. Des gens qui m'ont soutenu pendant que moi, Edwige, j'étais enceinte. Et qu'une mère prenait son fils pour aller le marier. Et étant en train de pleurer pour moi, ils n'ont pas mis cette colère-là sur, ils n'ont pas mis cette colère-là sur la mère. Ils ont mis cette colère-là sur le fils. Maintenant, une jeune femme qui est en train de se marier, au lieu de mettre cette colère-là sur le fils, ils sont en train de mettre cette colère-là sur la belle. Et je trouve que ce n'est pas correct. Oui, ce n'est pas correct. Ou bien c'est parce que je n'explique pas. Ça sera méchant de ma part de ne pas expliquer ça vis-à-vis de Aïcha de Razak. Parce que moi, j'ai vécu cette situation. Aïcha ne peut pas s'exprimer aujourd'hui. Mais moi, Edwige, aujourd'hui, je tiens un blog. Et je peux donner mon expérience. Je peux expliquer la situation qui m'est arrivée. Pour ne pas que tout le monde s'acharne sur cette fille. Oui, oui. Tout ce que vous êtes en train de dire là, moi, Edwige, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Ça n'a pas réglé le problème. Oui, oui. Il me suis abaissé en bas de ma belle-mère. Quand moi, elle venait d'arriver en France là. Oui, oui. Quand j'ai commencé à sortir Kanté là, sa mère a envoyé son grand-fils, il s'appelle Ibrahim, me tabasser, me frapper, casser mon visage, mon nez ici, casser ici. Il y a une cicatrice là, c'est parce qu'on ne voit plus. Il y a une petite cicatrice ici. Casser mon visage, tous les os d'ici étaient cassés. Dieu merci qu'elle était en France, il n'avait pas de papier. Dieu merci que j'étais en France, je n'avais pas de papier. Casser mon nez, si vous voyez, quand les pompiers m'ont vu, les pompiers m'ont failli pleurer. Ils n'ont pas compris. Me frapper comme ça, il s'est assis sur moi. Oui, le grand frère de Kanté, même père bébé, il s'est assis sur moi comme ça. Et puis, là, c'est un coup de poing dans mon visage. Boum, boum. En France, ici, c'est pas ailleurs. Me démonter le visage. Et il riait. Je suis parti à l'hôpital. On a programmé une opération. Je n'ai jamais été opéré de toute ma vie. J'avais peur comme ça. Peur. Parce que je n'avais pas de papier. Il venait d'arriver en France. J'avais peur. Je dois porter plainte, je ne dois pas porter plainte. J'avais peur, je tremblais. Quand les pompiers m'ont vu, les pompiers m'ont demandé, vous voulez porter plainte? Sur l'émotion, sur le choc, j'ai dit oui. Les pompiers ont décidé de me laisser comme ça, dans mon état. Ils ont regardé si mes constantes vitales n'étaient pas tout. Ils ont vu que je n'avais pas de danger. Donc ils se sont arrêtés, ils m'ont laissé. Ils n'ont même pas essuyé le sang. Ils ont laissé jusqu'à ce que la police vienne constater. Jusqu'à ce que la police vienne constater les faits. Je suis restée là comme ça. Le sang coule de mon nez comme ça. Mon visage, tout mon visage est gâté.
c'est arrivé à l'hôpital. Ils ont programmé une opération en urgence. Ils m'ont opéré. J'ai gardé un plâtre sur mon visage pendant près de 2 semaines. Le plâtre était sur mon visage. Le lendemain, de quand je suis sorti de l'hôpital, je suis arrivé à la maison. Ma belle-mère, la maman de Kanté, elle m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit, c'est bien fait pour ma gueule. Que c'est elle qui a envoyé son fils pour venir me tabasser. Que si moi, je ne laisse pas son fils là, moi, je vais voir ce qu'elle me fait. Elle va me retourner à Abidjan. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Vous êtes en train de parler de quoi? Laissez Aïcha en paix. Aïcha n'est pas responsable. Allez parler à comment s'appelle, à Razak. Aïcha n'est pas responsable. Laissez Aïcha. Je vous ai dit que je ne vais pas parler de cette histoire. Quand tu es en train de se marier, sa maman n'était pas contente là-bas. Sa maman n'était pas en train de danser là-bas. Vous m'avez pas vu sur les réseaux sociaux ici. Vous avez venu vous asseoir pour ramasser toutes vos collets là, pour mettre sur Aïcha. Aïcha, quoi avoir avec la relation d'une mère avec un fils? J'ai tout fait. Je suis dans la maison, je prépare. Je garde manger pour Mohamed. Son frère dit, il mange tout. Quand Mohamed rentre, c'est moi, il fait pas la... Il dit, c'est son frère qui a mangé. Il dit, pourquoi moi, il n'a pas gardé manger là pour lui? Quand lui vient d'arriver, il vient d'arriver. Lui, il mange comment? Lui, il est quitté au travail. Et son frère, s'il rit. Il rit. Un homme comme ça, tu le gardes dans ta maison? Vous parlez de quoi même? Vous êtes en train de parler de quoi? Vous connaissez les belles familles? Vous connaissez? Il me suis plié en quatre. Il est parti chez eux. Quand j'arrive chez eux, je nettoie la maison. En France, ici. Je me promène pour aller chercher un couche-lait. Je ramasse un paquet, j'envoie à ma belle. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Vous n'avez pas vécu certaines situations. Laissez Aïcha en paix. Aïcha n'est pas responsable de l'amour entre une mère et puis son fils. Aïcha aussi, on l'a pété, on l'a chié aussi. Aïcha aussi, quand elle a couché là, sa maman a eu peau de suture. Maman me voit ici, moi seul et mon enfant, enceinte. Pendant que le père de mes enfants est parti se marier. Maman ici, elle a mis caméra ciel pour se filmer, pour pleurer. Vous avez vu l'état de ma mère ici? Donc moi aussi, maman ne m'a pas accouché. Hein? Vous avez vu maman ici? En train de me dire, elle ne peut même pas apporter mes enfants, ils sont gros comme ça. Vous avez vu ma maman venir trouver sa fille enceinte pendant que le père de ses enfants est en train de se marier qui n'est pas là-bas? Vous n'avez pas pensé que maman m'a chié aussi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Laissez Aïcha en paix. Aïcha a bien fait. Si elle savait, elle allait faire comme ça aussi. Oui. Si elle savait, elle allait faire comme ça aussi. Elle allait le séparer de sa famille. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous êtes en train de parler de quoi? Vous savez comment c'est pire quand pour se faire aimer par une belle famille? Vous savez comment c'est pire quand pour faire... Pour, me tabasser comme ça, m'appelle au téléphone. Avec toutes les points de suture, il est sorti d'opération. Elle m'appelait pour me dire, c'est bien fait pour ma gueule. Vous étiez là. On a quand même caméra sur nous, à chaque situation de nos vies. Vous voulez qu'on se filme? Je ne me justifie pas. J'explique mon expérience pour défendre une femme qui a attaqué. Aujourd'hui, vous dites que ses enfants n'ont qu'à lui faire ça. Hein? Vous dites que ses enfants n'ont qu'à lui faire ça. Mais la maman de Razak, elle a fait quoi à sa belle-mère? Et puis aujourd'hui, sa belle-fille lui fait ça. Vous êtes en train de souhaiter ça à ses enfants, non? Ses enfants n'ont qu'à lui faire ça, non? Hein? Donc, c'est-à-dire que quand tu es méchant avec ta belle-mère, tes enfants sont méchants avec toi. Donc, elle aussi, là, imaginons ce qu'elle a fait à sa belle-mère. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous souhaitez le mal à la fille, là? Pourquoi vous prenez vos méchancetés et vous mettez sur la fille, là? La fille a fait quoi? C'est sa mère? Je n'arrête pas de crier. La fille là, c'est sa mère. Arrêtez pour vous là. Si toutes les belles filles doivent venir s'en sortir pour déposer leur expérience. Vous pensez que quoi? Quand moi j'étais enceinte ici, avec mes enfants, grossesse, je dois sur le bébé, je dois sur le poussette, je dois me décarcasser là. Ils n'étaient pas heureux là-bas. Ils n'étaient pas heureux là-bas en train de marier leur fils. Mais ça là, non, c'est normal. Je ne ramène pas les choses à moi. J'explique mon expérience pour que vous laissez Aïcha en paix. Voilà. Il a fallu que ça passe par moi pour venir expliquer. C'est un témoignage aussi, j'explique. Donc,
Gugu. Quand tu connais pas quelque chose là, faut pas venir. Si tu me vois prendre mon parti, c'est en fonction de mes expériences. Toi aussi, tu prends ton parti en fonction de tes expériences. Toutes les belles mères sont pas pareilles. La belle mère, la mère de Kanté n'est pas pareille à la mère de Razak. Mais quand, alors, enfant de quelqu'un aussi a été Aïcha aussi que tu es en train de maudire là. Aïcha que tu es en train de ramasser toute la malédiction pour mettre sur sa vie là. Elle aussi, elle est enfant de quelqu'un. Toi, tu es qui pour te permettre de la maudire? Tu es qui pour souhaiter que ses enfants l'abandonnent demain? C'est selon son comportement que ses enfants vont abandonner. Ça suffit maintenant. Laissez Aïcha en paix. Oui. Quand c'était autour de Kanté là, les parents de Kanté dansaient. Pendant qu'il y a une mère ici qui pleurait. Oui, ma mère pleurait. Parce qu'elle n'a pas mis caméra sur elle. Ma mère était choquée. Ma mère était choquée. Ma mère vient en France tous les jours là. C'est quand elle qui paye son billet d'avion. Ça veut dire que la mère de Rassak est partie là-bas là. C'est Aïcha, son frère, l'argent peut payer. Elle-même peut payer son billet d'avion. Vous parlez de quoi? Donc parce que sa mère là-bas, ça veut dire que c'est le monsieur qui a payé. Sa mère, elle-même peut payer son transport pour aller là-bas. Il voit des gens mettre des photos de la maman d'Aïcha belle et puis mettre les photos bizarres de la maman de Rassak. Vous parlez de quoi? Laissez Aïcha en paix. En prenez voir Razak. C'est Razak qui a un mauvais comportement vis-à-vis de sa mère. Aïcha, si Aïcha pense que c'est pour la protection de sa vie, elle est libre de se séparer de sa belle famille ou pas. C'est pas vous qui allez lui dire. Faut te rapprocher de ta belle famille parce qu'on ne veut pas d'elle. Vous ne savez pas ce qu'on lui fait. Vous ne savez pas. Moi, on me faisait ça, mais j'étais là-bas, cougnant, cougnant, cougnant. On me fait aujourd'hui, demain, je suis là-bas, cougnant, cougnant, cougnant. Bête que je suis, idiote que je suis, stupide que je suis. Il veut me jouer la gentille, il veut me jouer la bien, il veut me jouer la bonne belle fille. Jusqu'à quand j'accepte encore celui qui m'a frappé là. Si j'étais morte, vous avez dit quoi? Vous allez voir dedans. J'étais sur Facebook, vous allez voir dedans. Si j'étais morte, quand il était en train de me tabasser, que le sang était passé par mon nez, monté dans mon cerveau là, vous allez dire quoi? Vous étiez là quand ils étaient en train de me tabasser? Vous étiez là? Elle pouvait rien. Elle pouvait rien. Oui, elle pouvait rien. Elle priait chaque matin pour que la mère de Razak se loigne d'elle. Oui, oui. Elle pouvait rien. Elle a qu'à faire quoi? Elle a qu'à faire quoi? Moi, on me tabasse comme ça. C'est moi, je suis mouton. C'est moi, je suis mouton. Parce que je voulais suivre l'éducation africaine. Mm-hmm. C'est moi, je suis mouton. Aïcha n'est pas mouton. Elle n'est pas mouton. C'est moi qui dis, je suis mouton. Arrêtez vos hypocrisies, là. Je dis mon expérience ici pour apporter mon soutien à Aïcha de Razak. Point. Aïcha de Razak aussi, mais demain, quand le fils d'Aïcha de Razak va lui faire ça, là, et puis elle va venir sur Facebook pour pleurer, là, vous allez dire quoi? C'est une mère qui pleure. C'est une mère qui pleure. Mais aujourd'hui, là, vous êtes en train de soutenir la maman. Mm-hmm. Quand Aïcha sera mère vieille, koyo, koyo, là, et puis son grand garçon va aller se marier, et puis ils vont lui faire ça, là. Vous, ceux qui n'ont pas vu avant, ils vont venir s'asseoir pour vous faire quoi? Pour pleurer, non? Ils ne sauront pas que c'est la malédiction aussi qui est arrivée sur sa vie. Est-ce qu'ils sauront? Ils ne seront pas. Vous n'avez pas le film des gens, de leur vie quand ils sont bébés, jusqu'à quand ils sont grands. Selon demain, vous êtes en train de souhaiter ça à Aïcha de Razak. Là. Quand Aïcha de Razak va devenir vieille, et puis son fils va lui faire ça, là, qu'elle va prendre une caméra pour poser. Là. Les gens qui ne sont pas au courant de la situation, là, ils vont dire, c'est une mère. C'est une mère. Soutenez une mère. C'est pas ce que vous êtes en train de souhaiter. N'importe quoi. Que ses enfants vont lui faire ça. Ses enfants vont lui faire ça. Vous passez votre temps à la maudire. Continuez. Oui, je suis fâchée. Je suis fâchée. Mm-hmm. Je suis très fâchée, très remontée comme contre Love Gugu. Il ne faut pas me mettre dedans. Parce que si je viens expliquer mon expérience, là, les gens vont m'en vouloir. Je préfère y parler, y faire combien de vidéos cette histoire. Ils préfèrent me taire. Parce que ça rentrait pas.
Donc, j'ai décidé de me taire. Parce que les gens étaient pris d'émotion. Ça se comprend. C'est une mère qui est triste, qui a besoin de l'amour de son fils. On comprend. Les gens compatissent. Voilà. On dit quand quelqu'un pleure, compatis à sa douleur. Tu n'as pas besoin de venir étaler des choses. Donc, je faisais l'effort. Je faisais l'effort. Mais si mon expérience peut sauver la vie d'une autre fille, il va venir m'asseoir, il va expliquer. Arrêtez de la maudire. Arrêtez de la maudire. Elle n'est pas responsable du comportement qu'un fils peut avoir vis-à-vis de sa mère. Vous voulez que c'est sa mère qui pleure? Donc Razak choisit sa maman, et puis c'est Aïcha, et ses quatre enfants, et puis sa mère qui sont en train de pleurer. C'est pas maman qui pleure. Les gens ont pris leur décision. Si vous ne pouvez pas les soutenir, si vous ne pouvez pas les accompagner, là, ne venez pas vous asseoir pour les maudits. Et puis d'ailleurs, même votre malédiction, c'est nul non advenu. C'est nul non advenu. Vous souhaitez le mal à autrui. Ce n'est pas une raison de blâmer la maman des autres. Aïcha n'est pas maman des enfants. Vous êtes en train de blâmer Aïcha, vous faites bien. Vous qui blâmez, ce n'est pas une raison de blâmer une maman. Mais Aïcha est maman aussi. Donc parlez sans la blâmer. Parlez sans la blâmer. Vous êtes incapable de ça. Le frère de Kanté était assis sur moi comme ça. Il ne va jamais oublier ça. Jamais. Oui, oui. Vous êtes en train de. C'est l'image d'Aïcha en train de se marier, puis d'une mère qui pleure là, non. Voilà, je vais vous expliquer l'image d'une belle fille aussi qui souffre. Assise comme ça sur moi, un gros garçon, gaillard. Prendre ses poings comme ça, dans mon visage. Comme ça. Parce que sa maman lui a demandé de me tabasser. C'est sa mère qui m'a dit, je n'invente pas. C'est elle qui est venue chez moi, jusqu'à chez moi à la maison, pour venir s'asseoir gaillardement. Pour me dire que c'est moi, j'ai envoyé mon fils te tabasser. Mais te tabasser, comme c'est pas possible. Si tu ne laisses pas mon fils en paix, tu vas voir. Où tu as mis mon fils là, tu vas voir. Vous venez de me démonter le visage. Quand même il était assis, insensible, il pleurait comme ça. Il était là. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Quoi de pardonner à son frère, de laisser. Si je l'aime là, laisse Edwige, faut lui pardonner. C'est ce que Grand m'a dit. Il a laissé, j'ai pardonné. Il partait là-bas. Mais quand sa soeur va venir ici, chez nous là, c'est quand c'est mariage de famille là, c'est ça qui est bon. Même l'eau, je suis enceinte, je suis couchée, quand tu dois laisser laver, lui il va expliquer. Il a mis l'eau dans la baignoire pour tremper les draps blancs. Hein? Enceinte de 9 mois. Il dit, il veut se laver. Il dit, d'accord, enlever les habits là dans la baignoire pour mettre dans le seau. Il dit que lui, il ne peut pas, que sa main ne touche pas Javel. Il a regardé comme ça. Que lui, sa main, ça ne touche pas Javel. Que ce n'est pas à lui de faire ça, moi de me lever. Pour aller enlever ça dans la baignoire. Là. Il sait que ça a resté là-bas. Ce n'est pas moi de me lever. Ça a resté là. Il a appelé sa maman. Sa maman dit, moi de me lever. De quoi? Je me mêle de quoi? C'est eux qui vont venir diriger ma vie. Même imprimante photocopie, c'est sa maman qui a appelé photocopie imprimante. Quand il veut faire photocopie, il dit qu'un oncle là, ça coûte 45 euros. On entend le coronavirus, c'est dur. Au lieu de faut aller à Monoprix, tu as fait photocopie 20 euros. Il est fâché, il appelle sa maman. Il appelle sa maman carrément.
m'appeler aussi. Mais s'il fait photocopie là, ça fait quoi? Ma soeur! Elle a déjà soin ici gaillardement. Que mon fils là, si tu dois le marier là, tu dois accepter. Il va donner mon fils à une femme. Oui. Parce que chez nous, c'est comme ça. Oui. Et puis toi, tu dois te convertir. Je t'accepte, hein, à cause de trois enfants que tu as fait là, je t'accepte. Mais là, voici les conditions, ma soeur. À cause de quoi? À cause de pourquoi? À cause de pourquoi? Machine à laver aussi. Baignoire aussi. Imprimante aussi. Mais il y a place où dans ma maison? Moi-même, ma propre maison que j'ai payé mon argent. Je travaille de 16h à 2h du matin. Le matin à 4h, je prends le transport pour aller faire le ménage. Je rentre à la maison à 9h. Elle finit à 10h. Je rentre à la maison à 11h. Moi-même, mon argent. Vous êtes venu vous asseoir pour parler de qui? Pour parler d'Aïcha. Je suis enceinte. Quand tu es, comment on appelle ça, incarcéré. On a fait des courses, il est parti. Je ne vais pas expliquer ça. Il me prend ma grossesse, il m'en va jusqu'en. Il est parti là-bas. Quand je l'ai abandonné, il ne l'a pas abandonné. Sa maman est venue ici. Il devait prendre les affaires pour envoyer. Ça a été bloqué. Je suis parti jusqu'à là-bas. Elle m'en vente. Il a demandé au policier de me donner les valises. Il dit, il ne peut pas me donner les valises. Ils ont mis les affaires là dans deux gros sacs poubelles. Voici mon ventre comme ça. Et puis j'ai attrapé les deux gros sacs poubelles là. Les habits de l'enfant de Kanté qui est au pays. J'ai attrapé ça comme ça. Il faut me voir dans les transports. Deux gros sacs poubelles. Cougnon, 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 cougnon. Voilà de là à ma belle. Maintenant, quand elle a donné ça à ma belle-fille. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On aura venu expliquer. Laissez Aïcha en paix. Elle a raté. Oui, elle a raté. Elle a le paix. Il y a Jésus dans son affaire. Parce que si Jésus n'était pas un moine, peut-être il y a longtemps, il me suis jeté. Si je n'avais pas la paix du Christ dans mon cœur, il y a longtemps, il me suis jeté. Si je n'avais pas l'amour de Jésus dans mon cœur, il y a longtemps, il me suis jeté. Parce que c'était un échec pour moi. C'était un échec. Après tous mes sacrifices, après tout ce que j'ai supporté, après toute cette méchanceté. Si Jésus n'est pas dans ma vie, j'allais me jeter. Dieu merci que Aïcha a Jésus dans sa vie. Là, il ne faut pas me prononcer dans les choses comme ça. Carrément. Sans chaîne.